atterrit dans le rayon frais. C'est alors que l'agent de sécurité a saisi l'occasion. Il est monté et a attrapé le garçon. Puis tout le monde s'est rassemblé autour. Cette mère voulait couper les ailes de son bébé. Mais le docteur a dit : « Les ailes du bébé sont attachées aux os de ses bras. Si vous le forcez, il peut être désactivé à vie. » Alors le père a pensé à une idée. Il a dit que nous pourrions travailler avec les journalistes. On pourrait utiliser l'enfant pour gagner de l'argent avec les chevaux. On pourrait alors acheter une plus grande maison. Et le bébé ne serait pas blessé à nouveau. La mère était un peu réticente au début. Mais à la fin, l'homme l'a convaincu. Le jour suivant, tous les journalistes qui avaient entendu la nouvelle sont venus à la maison. La mère a emmené le garçon hors de la maison, devant les journalistes. Les deux d'entre eux, après avoir attaché une corde autour des jambes de l'ange. Dès qu'ils l'ont lâché, le garçon a battu des ailes et s'est envolé. Mais c'est alors que l'accident s'est produit. La mère était tellement absorbée à regarder. Elle a accidentellement lâché la corde dans sa main. Le bébé non attaché s'est envolé de plus en plus haut. Les personnes en bas de l'échelle se sont précipitées pour la rattraper. Mais un petit lac bloquait le chemin. Ils ne pouvaient que regarder l'ange s'envoler de plus en plus loin. Jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans l'air. Craignant des problèmes, ils sont tous partis. Ils ont tout quitté l'endroit. Sauf la famille de l'ange.